Lofter, je vous invite maintenant à passer au jardin. Eh oui, Lofter. Ah. Mathieu n'est plus là. Il n'a jamais été vraiment là. Tout ça n'était qu'un rêve. C'est une des affaires les plus bizarres que je vis de ma vie. Mais on me dit qu'un gars est pas là, mais qu'il était là. Lofter, Mathieu n'est plus là. Il a déjà quitté le loft depuis longtemps. En fait, Lofter, Mathieu avait une mission à son insu. J'ai laissé entrer Mathieu pour voir jusqu'à quel point le groupe était uni et pouvait se défendre face à une menace extérieure. J'étais amèrement déçu. Malgré le fait que Mathieu avait de toute évidence la sympathie du public, qu'il possédait de l'expérience et des outils pour se faufiler dans le jeu, malgré le fait qu'il possédait des informations privilégiées sur chacun d'entre vous et qu'il aurait pu les utiliser à tout moment contre vous, vous avez voté à l'unanimité pour qu'il reste. Quelle surprise! Comment Mathieu a-t-il gagné Love Story 2? En attirant la confiance et la sympathie des gens autour de lui, exactement comme il a fait avec vous. Vous êtes naïf. Vous croyez vraiment que je laisserai le gagnant de la deuxième saison entrer dans le loft 5 semaines après vous, tout en lui laissant la chance de mettre la main sur plus d'un demi-million de dollars en prix? C'est décevant. Je sais que parfois je suis dur avec vous, mais j'ai des principes. Et je me dois d'être juste avec vous. Vous que j'ai choisi cette saison-ci, vous êtes de toute évidence les meilleurs et vous n'avez rien envie à Mathieu. Loft Story 3, c'est vous. Il n'en tient qu'à vous de le faire vivre. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Je souhaite la bienvenue à Love Story. Et voilà, c'est fait, Mathieu a quitté le loft et étonnamment, aucun des lofters, même du côté des gars, n'a voté pour qu'il quitte. D'une certaine façon, le maître l'avait placé là simplement pour tester les lofters et bien avant la fin du vote, Mathieu avait quitté le jardin et avait retrouvé sa liberté. Par contre, d'une certaine façon, son court séjour dans le loft a permis aux autres lofters de s'ouvrir les yeux et vous allez voir que l'unanimité en a surpris plus d'un. Les gars, vous avez voté pour qu'il reste? Non, laisse-moi vivre! Mais je suis surpris. Pourquoi aucun lofter gars n'a-t-il osé voter contre Mathieu? Il y a une différence entre ne pas avoir osé le faire, comme certaines personnes n'ont pas osé le faire. Il y a des personnes, justement, qui ne voulaient pas le faire pour, justement, des raisons stratégiques. Puis, j'aimerais mieux perdre en finale contre Mathieu que perdre en finale contre quelqu'un qui est ici, personnellement. Ça m'a jamais fleuri l'esprit de voter pour qu'il parte, là. Que se passe-t-il avec les gars, Charles? Charles, j'ai placé dans le loft la pire menace qu'il pourrait y avoir pour vous. Mais il y a deux raisons à ça. Il y en a qui c'est peut-être qu'il manque de guts. Comment question? Pas mal d'affaires. Pas tant. Ça remet juste en question que les couilles, que les gars ont pas de couilles. C'est tellement clair que c'est l'unanimité qui allait le moins tenir. Que chaque gars, après moi, avait quand même une confiance que ça n'allait pas tenir. Donc, pourquoi eux se mouilleraient puis voteraient contre quand ils savent que quelqu'un d'autre va le faire? C'est ça. Ouais, plus j'y pense, plus j'aurais peut-être dû voter qu'il reste pas non plus. Ouais, c'est ça. Zéro couille, là.
Oubliez ça, là. Il y a pas... Oh, mon Dieu. C'est qu'on est super pas stratégique. De quoi tu parles, toi? Parce qu'il l'a dit, parce qu'une menace extérieure est rentrée. Nous autres, on est jamais drôle. Yo, excuse-moi, t'as fait ça. Il a fallu qu'on l'écœure. Toi, tu as sauté au cou. Puis toi, t'étais premier à dire, moi, je vais le kicker, nanana. C'est me fait chier, moi, le kicker. Kim, là. Ça, c'est Kim, ça, là. Ça va à terre, ça. Là. Moi, je suis écœuré d'elle. Là, je suis plus capable. Là, on s'entend, là. Ouais, puis je trouverais ça plate qu'on n'aura pas sa chance parce que vous avez la chienne, man. C'est clair. Oui, je vous comprends selon votre chienne, mais si t'es sûr de toi, man. Non, regarde. Si t'es sûr de toi. Ils suivent toutes Kim comme des petits moutons blancs, taverna, j'en reviens pas. Personne veut confronter Kim, à part JP, à part moi aussi. Je le fais un peu moins JP, mais je suis dans la lignée des gars qui sont capables d'y dire ce qu'ils pensent. Ça ne me dérange pas pantoute de m'ostiner avec elle en bas, là, comme vous avez vu, là. Tout le monde! Puis tout le monde a fait la même affaire que moi ici. Effectivement. Bon, ben, j'ai pas fait de raison. Mais j'ai pas mangé dessus, ça, c'est pas vrai. Vraiment. Ils se croient pour qui, eux autres? Ils m'ont tous les canets dans leur valise bleue, tabarnouche. Je suis à la fin, ils m'ont ramassé 50 000. Au retour, les filles s'ennuient de Mathieu. J'ai le chapeau de Mathieu. Et les gars sont soumis au ballottage. Hey, il est plus là. Mais quoi? Mathieu, je sais. Puis là, je capote, ça va pas bien. Hey, gros, ça va? En matin? Tu peux le faire? Tu veux? J'ai le chapeau de Mathieu. Mais là, je vois que sa valise n'est pas encore faite. Oui, Marie-Ève. Oui? Tu devras faire sa valise. Moi? Je veux te dire quelque chose. Quoi? Des moments où je regardais Mathieu. Puis j'étais là. Qu'est-ce que je vais faire pour me débarrasser de toi? Oh my God, Sean. Faut que je fasse la valise de Mathieu. Vite, je t'aide. J'aimerais ça. Ça me fait chier, ça sent tellement beau. Gars, je dis, check-moi. Oui, gars, j'ai le chapeau de la victoire. Moi, j'ai goût de prendre un gilet. Ah, oh, man, il y a tellement des beaux gilets, puis ça sent. Ça sent jusqu'à là, ma salle. Mais t'as quand même voté pour qu'il reste. Oui. Sérieux, là? Je suis sûre que toi, David, ou Nathan, ou JP, vous auriez voté contre. Mais pourquoi pas Charles? Ben Charles, il avait l'air trop sûr de lui. Hey man, la petite cul là-dedans, ça va être... J'aimerais ça te dire merci, Mathieu, d'être venu. Ça a peut-être l'air un peu con de même, mais pour moi, ça représente beaucoup que tu sois venu avec ta drive, sans blague. Ça a ravivé une flamme en dedans de moi. Que peut-être justement pour le reste du jeu, regarde, je me laisserai pas manger la laine sur le dos aussi facilement. On se partage vite, hein? Quand ils se sont mis à parler de Mathieu, puisque Brenda l'a dit. C'est certain que j'aurais mieux avant que mais j'ai failli me retourner de bord. Ok, t'aimes ça le connaître plus. Mais le monde qui est ici, est-ce que tu forces à te les connaître? Love story! Imagine mon pito au balatage aujourd'hui. Ça serait dégueulasse, man. Ça serait la pire shit au monde, là. Hey, mais ça se peut quasiment pas être pire. Attends, laisse-moi pas. Non. À moins que tu allumes, ils ont tous les gens de crampes au cerveau. Mais moi, là, s'il y a un balotage, j'aimerais ça qu'il y ait plus que toi pis moi, mettons. Une autre personne qui ferait que peut-être que nous, on moi, j'ai dit que c'était mathématique. Moi, j'ai dit que c'était mathématique, le balotage de cette semaine. Il y a 4 filles, là. 8 choix. À moins. Que ce soit fait pour qu'il nous aille vraiment gros. J'ai pensé à ça dans toi là, ça serait... il aurait été vraiment bon. Non, 8 choix, le gros, c'est bon. Okay. Ton nom, il sort 2 fois, t'as des chances d'être au balotage. Hein? C'est unanime. Mais merde, pourquoi ça se pourrait pas? Ça se peut. Oui. Tout est possible. Et je pense que Mélissa est... Brandoli n'ont pas voté pour moi. Moi, je pense que Mélissa m'a mis au balotage sûr, puis que Kim et Marie-Ève, il y a une chance sur deux qu'elle m'a mis au balotage. Il y a eu vrai 4 filles. Qu'est-ce qu'on fait? L'Inspo, là. Le prochain balotage, c'est les 3 tops. C'est fini? L'Inspo, là. C'est fini? Après, terminé. Ça se peut qu'il y ait 4 personnes à la fin. C'est qui, on s'entend que tu partiras pas. Pourquoi? Pas sûr. Laisse-nous parler. Assume son rôle. C'est tout. Oui. Dis simplement que oui. Oui, tu l'es. Marie-Ève, je vais rester. Il faut rester, je vais rester. Love Story! Lofter, il est maintenant temps de passer au balotage. Ce sera un balotage de garçons.
J'inviterai donc les filles à venir une à une au confessionnal pour me donner le nom des deux lofters qu'elles aimeraient voir quitter le loft ce dimanche. Nous commencerons aujourd'hui par Kim. Que penses-tu de ce ballottage, Kim? Honnêtement, là, je pense que c'est le ballottage que j'ai eu le plus facile à rendre. En tout cas, le ballottage cette semaine, il va être... je trouve qu'il est vraiment, vraiment difficile parce que j'ai de la misère à voir en qui je peux avoir confiance. J'essaie d'y aller avec mes feelings, puis cette semaine, c'était catastrophique. Là. Fait que cette semaine, je désire mettre au ballottage. Après la pause, le résultat du ballottage. Donc, cette semaine, je désire mettre au ballottage Nathan et Jean-Philippe. Nathan et Jean-Philippe. Nathan et Jean-Philippe. Nathan et JP. Cette semaine, ils ont agi pas vraiment la meilleure façon, que ce soit avec nous, avec les gars, puis avec Mathieu aussi. Leur attitude était vraiment bad. Je sais pas, il a changé un petit peu, Nathan. Je trouve ça plate. Il était funny au début, il avait son genre d'humour, il avait sa façon d'être. Jean-Philippe et moi, on dirait que ça veut juste pas. Il y a rien qui se passe, il n'y a aucune connexion. Bien, on a essayé de se mettre d'accord sur les personnes qui ont déplacé un petit peu plus devant négativement. Je pense que toutes les filles vont probablement avoir le même vote que le mien. Avez-vous fait une alliance entre filles? C'est une petite. Non, on n'a pas fait d'alliance, sérieusement. En tout cas, s'il y en a une, moi, je suis pas dedans. Il n'y a aucune alliance, on s'en est pas parlé, mais le nom de Jean-Philippe et Nathan reviennent souvent d'une façon peut-être un peu plus négative dans les conversations des filles. Mmh. Ils sont toujours ensemble. Ces deux humoristes, ils se trouvent drôles ensemble parce que c'est à peu près les seules personnes qui trouvent drôles les jokes de l'un et de l'autre. Mmh. On fait quelque chose. Non, c'est pas le même, nanana. Fait que, Brenda? Oui? Qui a essayé de convaincre qui? Ben le chef, je peux pas dire un chef, mais la personne qui a le plus parlé puis qui nous a comme ramené ensemble pour en parler, c'est Kim qui nous en a parlé beaucoup. Puis je l'ai collé sur Twitter, balatage, regarde. Kim a de la misère avec, puis Mélissa. Tu sais, Mélissa, c'est plus Nathan. Kim plus JP. Je veux dire, elle nous a fait voir des trucs négatifs des deux pour qu'on puisse comme se mettre en accord pour les mettre les deux en ballottage, là. Ben moi, je pense que c'est plus elle qui voulait peut-être... Parce que c'est sûr que moi, JP, au départ, c'était peut-être pas mon premier choix. Donc, lorsque ce sera le temps des gars de mettre les filles au ballottage, vous aurez tous les mêmes alliés. Les mêmes alliés... Les mêmes alliés gars. Ouais. Écoutez, moi, c'est ça mes choix. Qu'arrivera-t-il? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Lofteuse, ce fut encore une fois un plaisir de vous accueillir au confessionnal. Je vous annoncerai le résultat du ballottage un peu plus tard. Merci, Lofter. Love story. Le ballottage d'aujourd'hui s'est très bien déroulé. Un vote facile à 4 lofteuses. Ce fut très court. Et le résultat est très clair. Ce soir, sont au ballottage Nathan et Jean-Philippe. Hey, what's up? It's unbelievable. C'est moi quelque chose que je ne savais pas. L'un d'entre vous devra quitter le loft ce dimanche. Je suis pas triste parce que je le savais. Par contre, quand ton nom sort, maintenant je sais c'est comment tu te sens. Tu te sens moins attachant que les autres. Même en devinant que tu allais être au ballottage, reste que ça vient me toucher quand même, comme je l'ai dit. Je suis un gars sensible. Et sur ce, une petite clope. Ouais! Petite clope s'ensuit.
Puis moi, de toute manière, des filles qui parlent à travers leur crise de chapeau, ben regarde, ils peuvent le garder pour eux autres, leur crise de chapeau. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Ils se sont tous consultés, puis ils ont décidé qu'il y en avait un ou deux qu'il fallait qu'ils s'en aillent. Puis j'ai parlé avec Brenda Lee, j'ai parlé avec Melissa. Brenda Lee puis Melissa, ils m'ont jamais dit qu'elle allait voter contre moi. Puis regarde, là, je viens de me faire backstabber. Puis je leur en veux pas, je m'en fous. Mais ils se sont fait influencer par des gens. Fait que ça veut dire qu'on a eu soit 3 votes chaque ou 4 votes chaque. Bien, si on a eu 4 votes chaque, c'est sûr qu'il y a une alliance. Dans un instant, Nathan perd complètement le contrôle de ses émotions. Mais pour tout de suite, c'est à vous de décider qui restera dans le loft dimanche. Pour voter, composez le 1-900-630-LOFT ou par SMS le 56-387. Pour garder Jean-Philippe dans le loft, vous appuyez sur le 1. Si votre favori est Nathan, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le tqs.ca. Quand on m'a annoncé que j'étais au balotage, je suis allé voir ma petite sœur Brenda Lee. Et je lui ai demandé de me suivre dans la salle du gym. Oui, je t'ai mis. Tu sais pourquoi? À cause de qu'est-ce que tu m'as dit l'autre fois, à cause du balotage. Ça m'a fait chier que t'aies pensé à moi. Je sais même pas, comme je t'ai expliqué, mais en tout cas, si tu me sais pas, c'est pas grave. Non, je sais, mais c'est parce que ça m'a juste fait chier parce que je trouve que t'étais... Attends! Parce que je trouve que t'étais... Je sais pas pourquoi t'as pensé à moi avant de penser à d'autres filles, tu sais. C'est pas que j'ai pensé à toi, comme je t'ai dit, c'est juste que j'ai parlé trop vite. Ça n'a aucun rapport. De toute façon, gars, vous deux, à chaque fois qu'on vous parle, faut tout le temps que vous soyez les deux, là. Ben, moi, j'ai jamais demandé à la personne. Hein. Tu sais, c'est comme vous mettez tout le temps deux sur une personne. Moi? Je trouve ça, pas. C'est moi que t'es. Dans la France? Ah! J'aimerais commencer à apprendre à connaître Mathieu! Tu ne même pas en train de connaître les lofters qui sont avec toi. Puis en plus, il y en a qui s'emportent très vite. Asti, le monde est fou. Calme-toi. Calme-toi, Nathan. Calme-toi, contrôle. So be it. Hein? Chris de dingue. Hey, j'ai. Man, j'étais là. Nate Dog. Regarde bien, man. Elle vient m'attaquer, OK? Ouais, mais elle était. Vous non, mais. Deux, je le non, tout le temps. Mais. Regarde, quelque chose que le monde comprenne peut-être pas ici, là, c'est qu'on colle ces deux gros balotages à soir, OK? Mais il y en a un qui reste la semaine prochaine. Ils sont peut-être mieux juste pas se mettre ces gens-là à dos. Moi, je mets au balotage. Absolument. Excellent. Ouais. Pour raison ou parce que je t'ai mis la semaine passée? Pour raison. Cool. Je trouve que ce que tu dis que t'es puis ce que t'es est deux choses différentes. Ah ouais? Ouais. Si t'as un moment, à un moment donné, que tu veux m'en parler de ta vision. Faudrait pas que tu parles et que tu m'écoutes. Ben, si tu me le demandes, je vais pas parler pendant une demi-heure et je vais juste écouter, si tu veux. D'accord. Faut juste que tu viennes me voir, okay? Honnêtement, là. Ouais. On trouvait que t'étais celui qui allait plus vers les filles et qui tac plus. Tac. Ben, tu sais qui? Ouais. Les petits becs, les petits cils, les petits touchés, les petits nananananan. T'es-tu gâté? Oui. Puis je te le dis, à un point, des fois, il y en a que ça énerve que t'es touches, là. Énerve, là. Si, moi. Genre, tu comprends? Crime, c'est cool. Mais non, c'est pas cool. Moi, je savais que j'allais au palotage parce que, regarde, j'étais un gars sensible, sensé, en même temps. Donc, je vois dans les yeux des gens. Tu t'es perdu, ben, complètement. Pourquoi je me suis perdu? Tu t'es perdu, non? Je te le dis, je sais pas. On dirait que t'as, je sais pas. Non, je me suis ouvert les yeux sur des gens, puis ça m'a fait bien de la peine. Non, mais tu sais-tu quoi? C'est ça que je trouve. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, on a appris plus à se connaître, mais si les gens ont changé, toi aussi, t'as changé. Je me sens comme pas aimé en ce moment. C'est comme pas le fun, là. Comment tu veux dire? Tu le comprends, en fait, dans la même situation. Je me sens comme pas aimé, là. Mais c'est vrai que cette semaine, toi, JP et Nathan, vous êtes pas intégrés au reste du groupe. Qui? Toi puis Nathan. Même moi, qui n'a pas tendance à m'intégrer, je me suis même quelque part forcé. Parce qu'on est en train de cohabiter tous ensemble. Et c'est pas qu'il faut se transformer, quitter, mais il faut comme s'adapter aux autres. Ben, personne s'adapte à moi, peut-être. Faut que tu vas à ma chaîne, là, man. Je suis trop veg, man, c'est, man.
On répare ça demain matin. Au cours des prochains jours, ce sera intéressant de surveiller si la complicité entre Nathan et Jean-Philippe restera intacte malgré le ballotage. C'est presque tout pour ce soir. Soyez là demain à 19h. Nous saurons enfin ce qui se cache dans l'emballage secret remis à Marie-Ève, la patronne de la semaine. Et on se quitte ce soir sur des images de David, Charles et Nathan qui ont décidé de souligner l'Halloween de belle façon. Bye tout le monde, à demain. Love story. Un astic de fille, ça ferait aussi. Ok, gros, oublie ça, là. Ma méthode est pourrette. Oh, attends. Jack. Wow. Hey, j'ai-tu le bain, on se trouve. Ah, moi, je peux. Étant donné qu'on n'a pas eu de party d'Halloween, on a décidé de s'en faire un. Je suis Donatello. C'est qui, moi? Je suis Raffaello. Moi, c'est le gars. Michelangelo. Michelangelo! Michelangelo, c'était pas le gars. Ah non, Donatello avec l'épée. C'est... Oui. Non, Leonardo, c'est lui, les épées. Carabunga. Ah, c'est quoi qu'ils disent tout le temps? Carabunga. 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 Oh, Carabunga. Tu nous reconnais pas, on est les Tortues Ninja. Ouais, on est là pour te sauver. C'est quoi ça? Raffaello. Donatello. Michelangelo. Ouais, je démarre plus de ça. Merde, mon affaire a déchiré, les gars. C'est pas le bon temps. Même que je vais me donner pour essayer, genre, de moi-même aussi mieux vivre dans le love. Puis, au contraire... Cowabunga! Donatello! Je pense qu'on mérite la pizza. Oui, ça mais faut la manger vite même. Love Story, une présentation de la nouvelle Dentinice Centre Liquide. Ça explose, c'est intense.